C'est Audio Clap, les amis, c'est Kimiki, votre buff préféré. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des moindres parce que nous allons ouvrir les nouvelles Pokéballs qui viennent juste de sortir. Voilà, les toutes nouvelles Pokéballs, exclusivité chez les marchands, hein, chez Carrefour, etc. Donc moi, j'ai pas pu en avoir, du coup, on va découvrir ça tout de suite. Mais avant de commencer, les gars, c'est la semaine avant que je parte en vacances. Et oui, les amis, Kimiki se part un petit peu au soleil. Mais vous inquiétez pas, je vous ai préparé plein de vidéos. Mais surtout, les frères, je vous fais gagner, les frères, les sœurs, comme d'habitude, je vous fais gagner un booster Frontière Franchie noir et blanc, un booster vintage de valeur de plus de 50 €. C'est un booster de fou, il est non pesé, non trié, ça vient de ma collection personnelle et je vous le fais gagner dans cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, t'as juste à t'abonner, mettre un petit commentaire et un petit like. Cette semaine, on vous régale. Et en plus, parce que je vous régale, les amis, et parce que c'est une galère en ce moment à trouver pour certains, et je sais à quel point c'est dur, je l'ai vu, je vous fais gagner aussi un coffret Pokémon Go de ma collection aussi. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, c'est aussi pour vous. Donc tirage dans une semaine pour Pokémon Go et dans 2 semaines pour Frontière Franchie. Abonnez-vous, ce sera l'abonnement le plus rentable que t'aies jamais eu. Bon, les amis, les frérots, les serrettes, tout le monde, on va découvrir ces fameuses Pokéballs. Alors, j'ai pu en avoir que 2. Il y a une 3e version, si j'ai pas de bêtises. Tout simplement parce qu'en fait, dans mon carrefour, il n'y en avait pas. Donc, on va les découvrir. Franchement, elles sont très, très, très jolies. Il y a des boosters super intéressants. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On change de scène tout de suite. Aïe aïe ouïe. Alors, petite Pokéball Hyper Ball, c'est quoi votre ball préféré d'ailleurs dans les commentaires? Dites-moi un petit peu, moi j'ai envie de savoir, voilà, j'ai envie de savoir, savoir qui a la cote, tout simplement, quelle est la Pokéball qui a le plus la cote. Alors, moi j'adore la Hyper Ball, les amis, on va l'ouvrir. Est-ce qu'on a une petite ouverture facile? Oui, normalement, ça devrait. Bon, je sais pas du tout, les frères. Ah! Bon. Est-ce que je vais devoir utiliser... On peut pas résister au buff comme ça. Genre, comment ça, la Pokéball, elle va résister au buff? Hein? C'est un scandale. Voilà. Voilà, ça, j'aime bien. J'aime bien. Allez, là. Ouvre-toi. Ok, ah, ok, ça s'enroule, en fait, comme ça. Ah, sympa, en fait, c'est une ouverture facile. C'est pour les gens qui sont pas des buffs. Bon, j'ai pas bien ouvert, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire? En tout cas, les gars, la Pokéball est magnifique, hein, pour la jeter dans la tête de ceux qui font des bêtises, les gars. C'est vraiment cool, ça. Tu vois, boum, tu jettes ça dans la tête de quelqu'un. Franchement, tu peux lui envoyer une grosse tas de pas. Alors, oh... Quoi? Comment ça, Reine de Glace? Quoi? Attends, je me suis fait arnaquer, là. Oh, Voltage Éclatant, c'est vraiment bien. Et Point de Fusion? Mais elles sont nulles, ces Pokéball! Je pensais qu'on avait eu Ténèbres Embrasées. Comment ça, j'ai du Reine de Glace? C'est trop nul. Oh là là, mais par contre, les gars, la qualité des boosters. J'espère que les cartes sont pas abîmées. On va voir ça. Mais là, franchement, les gars, c'est scandaleux. Regardez comment c'est ouvert. On dirait il y a un mec qui l'a marché dessus. Par contre, Voltage Éclatant, c'est vraiment cool d'avoir ça. Bon, on a un petit jeton. Je sais pas ce qu'il fait dans la Pokéball. Bon, par contre, c'est vraiment cool d'avoir la Pokéball. Genre, je la trouve vraiment bien en déco ou quoi, ça peut vraiment être cool. Bon, j'arrive pas à la fermer, mais c'est pas grave. En déco et tout, ça peut être vraiment cool. Même pour, voilà, pour jouer et tout, pour les enfants. Franchement, je trouve l'item cool. Par contre, faudrait les faire un peu plus grandes, ces Pokéballs, les gars. Parce que là, c'est limite un petit peu un scandale. Bon, on va commencer, les gars, avec Reine de Glace. Une série qui est boudée, malgré que c'est quand même une superbe série. Hein. Sincèrement, les gars, Reine de Glace, c'est une série qui est quand même géniale. Avec des alternatives qui peuvent être folles. C'est ce qu'on veut, de toute façon, dans ce genre de série. Des alternatives qui sont folles. Il y a des secrets rares qui sont très très belles. Le problème, c'est les taux de drop qui sont catastrophiques. On va voir, les gars, si Kibiki Klim a été activé. C'est parti pour la première Pokéball. Énergie. L'énergie, j'espère qu'on en aura bien besoin, les gars, de l'énergie. La Sentier, Coxyclac, pourquoi pas, Tetaclac, Aspico, Morpheo, sa tête de pierre, on dirait Mbappé. Quillfish, ok, les gars, on continue. Tarsal, ok, frérot, je sais pas, on dirait qui, mais vas-y. Scarigno, ça, on dirait moi, les gars, quand je suis énervé. La Pyro, ah là là, ça c'est un petit jongleur, tiens, c'est un petit Neymar, les gars, c'est un petit Neymar. La Pyro, et d'ailleurs, Pyrobut est un Pokémon qui est extrêmement apprécié. Les gars, hype moment, on y va, on veut quelque chose. Ok, on a quelque chose, les gars, sur ce premier booster. Est-ce qu'on va pouvoir envoyer? Est-ce qu'on veut une secrète rare? On veut quelque chose de fou sur Reine de Glace? Il y a moyen d'avoir des trucs très très bons. J'espère qu'on va avoir un truc bien sur cette première Pokéball. Bon, c'est bien, allez, on va pas se plaindre, c'est bien, Kimiki. C'est une petite carte V, les gars, allez, sur une petite Pokéball, allez. On va pas se plaindre, c'est sympa, ça ira dans la boîte à cadeaux. Mais voilà, oui, je suis clairement pas un fan de Boréal. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup de Pokémon, bon, pas moi, je vous l'avoue. On continue avec Point de Fusion, mais j'espère que notre Pokéball est meilleur, hein. Parce que je pensais sincèrement qu'on ait du Ténèbres Embrasées.
dites-moi si je me trompe, mais bah, clairement, si c'est ça, c'est pas non plus un d'énormes bangers, les gars, à ouvrir, sincèrement. Alors, on veut peut-être de l'alternative aussi, Point de Fusion, série boudée, mais qui peut avoir des hits sincèrement extraordinaires. Je vous invite d'ailleurs à ouvrir quelques boosters Point de Fusion, parce que c'est une série qui est sous-cotée, avec des cartes qui sont folles. Regardez, les illustrations sont très très belles. Moi personnellement j'aime beaucoup le Point de Fusion. Après bon voilà, il y en a qui aiment pas trop. Mais c'est vrai que c'est trouvable pour pas très cher. Et c'est ça qui est bien dans cette série. Donc je vous conseille pour ceux qui commencent la collection, qui veulent une série pas trop chère. Chers Ibarri, les amis, dédicace à l'Inde et au PIB indien. On veut quelque chose, mais je sens rien les gars. Je sens pas de chakra, je ne sens pas d'énergie émanant de ce Chers Ibarri. Et j'avais bien raison, par contre c'était un Absol sur une très jolie illustration. Bon les frérots, on mise tout sur le meilleur booster voltage éclatant. Les amis, j'en ai ouvert énormément de ces boosters voltage éclatant. Je n'ai jamais réussi à avoir le Pikachu. Est-ce que ça serait enfin le temps, enfin la revanche pour votre buff préféré et d'aller enfin chercher ce Pikachu Rainbow? Je l'espère. Alors ça c'est une série qui a été mais telle qui a monté énormément en prix hein. C'est assez fou quand même, voltage éclatant, avec bah, tout ce qui s'est passé et tout. Donc c'est quand même cool de pouvoir en réouvrir. Alors on est parti les gars avec une énergie de métal. Donna, ok, Donna, Donner Kebab, Nigosier, désolé les gars, c'est à cause des vidéos, je mange beaucoup en ce moment, 9-9. Ok, Anchoite. On veut du Massévite, Wellmer, les gars, j'en ai tellement ouvert, je les connais par cœur ces illustrations. On veut quelque chose de bien, les frérots, on veut quelque chose de bien, Rototop. Metang. It's time. Showtime. On y va, les gars. Non, s'il te plaît. Mais vas-y, mais c'est tout le temps elle. Je vous jure qu'à chaque fois que j'ouvre du voltage éclatant, c'est ma Gargna, la Marguerite, là. C'est pas possible! C'est pas possible, Marguerite! Ouais! T'as trop la rage! T'as trop la rage! Ouais! Ok, les gars, je fais un petit test sur la Pokéball. On va tester un peu si. Voilà, le but de cette Pokéball, c'est d'attraper des saltimbanques. Ça tient bien! Franchement, ça tient bien, les gars, regardez! Franchement, les gars, ça tient bien! Ouais, franchement, c'est cool. Non, franchement, c'est cool, les gars. Franchement, ça tient bien. C'est solide. C'est franchement c'est cool, je valide par contre le produit. Bon, on continue les frères avec une Honor Ball. Vraiment cool aussi. Ah purée, je vous jure j'ai une trace sur le fond là je crois. Allez, elle a une tête dure hein, cette Pokéball les frères. Je vous jure elle est solide hein. La famille, la Pokéball elle est solide. Bon les enfants, faites pas ce que j'ai fait, ok? Parce que je sais que après vos parents ils vont dire mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes comme youtubeur? Dites-leur. C'est pour avoir des bonnes notes à l'école. C'est une technique. C'est comme ça, hein, les gars, que j'ai eu des diplômes. C'est comme ça, les saltimbanques. Bon. Oh non, les amis, elle a pris un coup dans son cochi. Ah, mais est-ce que ça peut être bon signe, hein? Un petit coup dans le cochi. Est-ce que c'est bon signe, hein? Parce que nous, quand on était petits, les gars, quand on faisait une nouvelle coupe, on se prenait un petit steak comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, voltage éclatant. Ah, voilà, là, j'aime bien. Ok, donc c'est aléatoire, les gars, vous en avez qui ont du Reine de Glace et d'autres Ténèbres Embrasées. Là, j'aime bien, là, on est sur un produit qui est exceptionnel en termes de valeur ajoutée, les gars, sincèrement. Ténèbres Embrasées, c'est des boosters en non pesé, non trié, qui coûtent quand même assez cher, pareil pour Voltage Éclatant. Avec ces deux boosters, vous êtes carrément presque hein, aux alentours des 20€. Et là, on va avoir en plus le petit Point de Fusion. Donc pour un item qui coûte 15€ sur le marché, c'est un superbe item, sincèrement, les gars, plus le petit goodies, je valide avec validation, donc faites attention les gars, prenez des love balls, hein. Peut-être qu'il faut prendre des love balls, mais c'est génial. Bon bah on va commencer avec le Point de Fusion, et sincèrement je préfère quand même en ce moment ouvrir du Point de Fusion que du Reine de Glace, parce que j'en ai ouvert énormément de Reine de Glace, donc très très cool. Et c'est franchement c'est trop cool. Bon, désolé les codes les gars, je voulais pas donner. Oui voilà, je fais le rabat-joie. Est-ce que peut-être que ça va me porter chance les gars? Est-ce que ça va me porter chance les gars de pas vous donner le code? Allez, le cuisinier les amis, dédicace à ma chaîne principale. Miaous, Maril, oh là 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 là, Galvaron, on dirait Swagman, Starry, Viridium, oh là là. Ok, bon, je vais vous donner les codes. Ok, je vais arrêter mes bêtises, je vais vous donner les codes. Allez, c'est parti. Ténèbres Embrasées. Ténèbres Embrasées, les gars, j'ai quasi le Master Set, il manque quelques cartes. J'ai vendu d'ailleurs mon Dracofeu PCA 9,5, excusez-moi. Je l'ai vendu à mon frérot Tinko. Donc voilà, j'avais envie de m'en séparer.
tout simplement pour aller faire du jet ski. Ouais, ouais, c'est vrai les gars, je vous dis la vérité. Faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs de temps en temps. Il n'y a pas de honte de temps en temps à se séparer de certains items. Mais voilà, moi je me suis séparé un petit peu de cet item parce que je sais que je vais en avoir un autre. En fait, j'en ai commandé un autre pour le refaire grader. Voilà, tout simplement les gars. Je sais que c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu mes petites anecdotes de collection. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais bon, je vous raconte ma vie. Et fortifiant turbo, et surtout, bah, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de sous pour les vacances. Fouinette, Hippopotasse, Chakripan, ça fait vraiment plaisir quand même de voir ce genre de cartes. On espère avoir un gros hit quand même sur Ténèbres Embrasées, peut-être même un Dracofeu. Ça serait quand même assez fou, les amis. On continue, les amis, avec Tic. C'est le moment, on veut du fire, on veut envoyer du lourd pour cette suite d'ouverture. Hypermint. C'est une carte Bébé, Papy Illusion que j'ai vu en je sais pas combien de fois. Bon, c'est une petite carte, je crois, ça vaut une cinquaine d'euros, je pense. Au moins, ça rembourse plus ou moins le booster. Donc, c'est sympa pour ce petit Papy Illusion. Voilà, donc, que je mettrai sûrement dans la boîte à cadeaux pour ceux que ça intéresse. Donc, pour l'instant, les gars, les drops sont pas exceptionnels, mais on a quand même eu deux cartes V pour l'instant. On mise tout sur ce dernier booster. Est-ce qu'on va avoir une clim ou est-ce que ça va être un petit peu modéré? Si on n'a rien sur ce booster, ça serait terrible. S'il vous plaît, ne me remettez pas une marque. On est parti pour le dernier booster, Voltage Éclatax. Allez, on y va. Faut que je fasse un petit peu de... Ah, je sais ce que je vais faire, les gars. Je sais ce que je vais faire. Je vais le bénir, je vais le bénir, je vais le bénir. C'est bon, on l'a béni grâce au Dracofeu. Exo. C'est parti. C'est bon, les gars. On y va. Aspico. Oh là là, sa tête de pierre. Voltorb, oh son énorme grosse tête. Skelenox. Miaus. Yanmar. Oh non, je me suis trompé sur le tri. Je me suis trompé sur le tri. Je me suis trompé, les gars. J'ai pas fait le tri. Pourquoi vous m'avez pas dit? Vous m'avez pas dit, les gars. Ça veut dire que c'est maintenant. C'est juste après cette carte normalement qu'on a le gros hit ou rien du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a rien du tout, les gars. Mais c'est pas grave, il faut qu'on hype pour ce dernier booster. Mes noix de coco, ta grosse tête là, on dirait une pierre. Aïe aïe aïe. Grayena, Metang. Et le stade de Windscore. Bon bah les amis, Kiviki nous a sorti encore une fois une jolie clim comme on les aime, hein. Je sais pas si ça vous avait manqué. Pas moi en tout cas, je commençais à avoir de la chance et tout, ça revenait et tout. Bon, en vrai, c'était pas la pire des ouvertures que j'ai faites. 6 boosters, 2 petites cartes V, pas de secret rare ou quoi, mais c'est pas grave. On reste quand même assez bon, ça fait un hit tous les 3 boosters, c'est plus ou moins ce que vous allez avoir dans vos boosters. Donc ça, c'est une ouverture un peu vraie, hein, de ce qui peut se passer. Très très sympa en tout cas, cette petite Pokéball, elle résiste au coup de tête de Kiviki. Je valide avec validation, n'oubliez pas les gars, tous les cadeaux qui sont à gagner. Vous vous abonnez, le petit like, le petit commentaire, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu sur ce. Prenez soin de vous, c'était Kiviki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans des Pokémon. Tchala!